Donc on est ici dans une action de solidarité avec le prisonnier politique palestinien Khader Adnan qui vient de faire une grève de la faim de 66 jours pour protester contre ses conditions de détention. Donc il faut savoir que Khader Adnan est sous le régime de ce qu'Israël appelle la détention administrative. Mais la détention administrative en Israël, c'est pas vraiment comme ici en Belgique. En fait, ça dure 6 mois. Et c'est 6 mois renouvelables quand ils veulent, enfin autant de fois qu'ils le désirent. Et donc concrètement, il y a des prisonniers politiques palestiniens qui sont en prison depuis des années, sans jugement, sans procès équitable. Et donc c'est pour ça que Khader Adnan a entamé cette grève de la faim, pour dénoncer ses conditions de détention et celles de milliers d'autres prisonniers politiques. Après 66 jours de grève de la faim, Khader Adnan était dans un état extrêmement préoccupant. Suite aux pressions reçues, Israël a annoncé sa libération prochaine en avril. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant. Donc nous sommes là pour profiter de l'attention médiatique autour du cas de Khader Adnan, pour saluer son combat, mais pour rappeler aussi qu'il y a encore des milliers de prisonniers politiques palestiniens dans les zones israéliennes et que cela doit cesser absolument. En Israël, c'est ce qu'ils appellent la sécurité nationale qui est au-dessus de tout. Donc, à partir du moment où il y a une question de sécurité nationale, ils peuvent garder une personne pendant des années en prison, ils peuvent raser un village. C'est-à-dire, c'est un pouvoir militaire en Israël concrètement. L'armée a carte blanche pour aller démolir des maisons, pour aller déraciner des oliviers. Et le gouvernement a également carte blanche, la police, pour maintenir en détention administrative pendant 6 mois, renouvelable autant qu'ils le veulent, un prisonnier. Gaza, on n'oublie pas. Gaza, Gaza, on n'oublie pas. Gaza, Gaza, on n'oublie pas. Donc c'est cette situation de non-droit évidemment que nous on critique, et on aimerait bien que nos pouvoirs publics, nos démocraties, la Belgique, l'Union européenne, se sentent un petit peu plus concernées par cette situation et mettent pression sur Israël, qui est censé être un allié et qu'on nous présente comme un État démocratique.